à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans la FAQ Web Girondin. Comment ça va Nico Salut Matisse, euh, ben, bienvenue, merci. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent et toi, comment ça va ben, Ça va très très bien, je suis très content de, de vous retrouver. Vous êtes déjà nombreux dans le chat. On voit du monde il y a Polo, il y a Lionel, il y a Faïvermanos, il y a Alexis, Ulysse, Tyrion et, et plein d'autres qu'on qu embrasse. Merci à vous d'être fidèles au rendez-vous pour cette FAQ. Donc, je te laisse rappeler le principe, Nico Ouais, voilà, je vais, je vais rappeler le principe. Je vois que tu as mis un beau maillot. Fais voir le maillot. C'est pas celui de la semaine dernière, si eh, C'est le pendant, c'est l'extérieur. Et voilà, j'étais là, c'est la même année. Quelle oh. année, celui-là euh, Je crois que c'est 2000... 2001. Euh, il me semble. D'accord. Peut-être peut que, peut que sur le, le chat, ils auront Je pense qu'ils auront l'année. Ils auront oui, l'année, <laughs> pardon. Ouais, bah, le principe c'est simple. Vous avez posé vos questions aujourd'hui, avant l'émission, quatre, cinq questions sur les thèmes de votre choix. Euh, je, je vous aime, vous nous régalez, mais merci. <rire> <plus>. <rire> sur euh, les thèmes de votre choix. et euh, Donc ça alimente les discussions. On accueillera Geoffroy qui est socio de WebGiron tout à, à l'heure euh, qui a demandé de participer parce qu'il avait posé une question et il souhaitait euh, débattre justement euh, sur la question qui avait participé c'est euh, donc c'est c'est pour ça qu'on est là ensemble et puis écoute voilà envoyez du like si vous êtes sur YouTube vous savez le fonctionnement. Je salue tous ceux qui nous regardent sur Facebook aussi euh, et tous ceux qui nous regardent sur Twitch. Sur Twitch. Alors, et je peux voir combien il y a de personnes sur Twitch. Voilà, ça commence à se connecter. Il y en a quelques-unes. Ouais, euh, voilà, ça commence. Il ne faut pas hésiter à partager, à nous faire un peu voilà. de publicité. Ça, ça nous aide. Et si vous êtes sur euh, YouTube, sur euh, pardon, sur Facebook, venez euh, sur euh, venez nous rejoindre soit sur Twitch, soit sur YouTube. Comme ça, vous. Ne manquerait aucune vidéo. Voilà, je pense que j'ai fait l'introduction. Tout à fait, tu pas as fait le tour. Un, un petit je... bisou aux, aux sociaux aussi qui sont Au so là. Qui oui, me... bien sûr. On, est est, on a fait d'ailleurs une réunion hier euh, entre sociaux qui a duré <laughs> une heure et demie. Un chat Discord qui était très sympa. On était une vingtaine sur les plus de la centaine de sociaux, euh, plus d'une vingtaine à se rendre disponible. Je remercie vraiment tout le monde. Échange euh, euh, super positif. Et, et voilà, donc. Euh... Merci encore et on refera ce type de, de réunion privée euh, entre sociaux pour, pour échanger euh, sur cette web-télé et recueillir vos impressions puisque les sociaux, je le rappelle, euh, nous soutiennent moralement mais euh, nous soutiennent aussi euh, financièrement pour nous permettre d'être là euh, pour, euh, pour, pour vous euh, chaque semaine. Voilà. Voilà, tout à fait bon. Ouf, Je vois qu'on est déjà. Oui, c'était un bon monologue. <laughs> On est déjà quasiment euh, 200 sur le live euh, en cumulé. Merci à tous. Je te propose qu'on commence directement Allez, avec la première question. C'est parti. parti. Question Je regarde, Je regarde de... là parce, parce que j'ai aussi un ordinateur de ce côté. Et oui, voilà. tu es suréquipé. Voilà. Non, j'en ai question. deux. Un, un pour suivre le chat euh, YouTube pour voir si sur YouTube ça fonctionne bien. Voilà. Voilà. Bon. Vas-y. Je crois que ça fonctionne. Alors, voilà. une question de Johan Socio. Que penses-tu des propos de Florian Brunet à propos de Web Girondin alors, euh, alors c'est vrai que ça m'a surpris, on en a discuté, je l'ai appelé depuis hier, Florian Brunet, qui nous, qui a indiqué que nous roulions pour les projets, euh, comment il s'appelle, Kio, FIV, -E ce qui est faux, nous on roule pour personne. Euh, je, lui ai, je lui ai dit, je lui ai signifié, il l'a compris. Euh, voilà, j'étais un petit peu euh, choqué d'entendre ça. Euh, C'était comme si je prenais euh, une droite. Hein. Voilà, donc euh, j'étais surpris, mais bon, en expliquant euh, et concernant... Euh, euh, parce que ça, ça venait des émissions que nous avons fait sur... Euh Pascal Martin, les débats, etc. Il a cru que on soutenait un projet. Alors, pas du tout. Nous, on soutient aucun projet et, et il l'a bien compris. C'est pas notre but. Nous, euh, ce qu'on fait, c'est de l'information sur Web Girondin. On fait de l'information pour vous qui nous regardez et on trie l'information et on a des espaces de discussion qui sont libres euh, où chacun peut s'exprimer dans le respect euh, et donner son avis sur l'information, sur les Girondins, sur l'actualité. Après, on écrit aussi des articles. Alors, après, on peut apprécier ou pas la façon dont c'est, euh, dont c'est c'est euh, dit et je peux le comprendre. Hein, nous, on n'est pas parfait. Hein, on ne dit pas que des choses bien et on peut dire, euh, on peut écrire aussi des bêtises. Mais en tout cas, il euh, n'y a plus aucun souci. Ça a été mis à plat euh, et puis voilà. Donc, euh, je pense qu'on peut euh, tourner la page euh, et, et vous comprenez qu'on ne soutient personne. On n'a aucun intérêt à soutenir tel ou tel projet. Ce qu'on veut, c'est le bien du club. Et aujourd'hui, on peut se dire que c'est une période qui est très tendue. Et euh, si vous voulez, ce petit incident, ça dénote aussi de l'ambiance qu'il y a autour du club, euh, avec les luttes du pouvoir, certains dossiers, euh, certains, euh, certains euh, porteurs de dossiers, euh, certains repreneurs, ils voient quelque chose sur un médium, ils se disent que si on, on dit du mal d'eux, c'est parce qu'on soutient un autre projet, alors que pas du tout, ça n'a rien à voir, hein. c'est juste qu'on essaie de comprendre euh, ce qu'on fait. Euh, ce qu'on comprendre ce qu'on qu fait oui non comprendre ce, qu euh, ce qui se passe essayer de l'expliquer et quelquefois on donne notre avis mais c'est pas si on donne un avis positif ou négatif qu'on soutient ou pas un projet ce sont euh, des analyses qu'on essaye d'être pertinentes et puis voilà sans, sans autre euh, prétention voilà donc euh, et c'est pour vous euh, les sociaux qu'on le fait et, et pour vous qui nous regardez et d'ailleurs ce qui est remonté hier dans l'échange le, dans avec les sociaux de l'émission télé c'était vraiment euh, le fait que les gens apprécient ces objectivités et c'est vrai qu'on on essaye de l'autre. alors parfois c'est la passion qui parle et, et voilà bon, en tout cas euh, ça a été mis à plat et j'ai rien d'autre à, à rajouter euh, là-dessus voilà très bien enfin fin du sujet je te propose que pour les questions suivantes on accueille geoffroy qui nous attend impatiemment je le sais il est là Geoffroy Geoffroy ah, pas Geoffroy Geoffroy, geoffroy pardon <laughs> autant pour moi je m'excuse Geoffroy <laughs> salut Geoffroy, comment geoffroy bienvenue bon, comment ça tous. va impeccable et vous bah, très très mais bien. Écoute, ça va bien. T'as bien dormi, Nico euh... <laughs> Non, pas très bien. J'ai eu très très chaud. Hein. Franchement, c'était ouais, ouais. lourd, temps orageux, donc euh... non, non, pas très bien. Voilà. Et toi euh... Oui, c'était. C'était oh. à part le volet qui s'arrachait du dû un coup devant mais sinon ça va. <rire> <rire> ah. Non, mais c'est vrai sur Bordeaux parce que t'habites, ah ouais, au... toi, Geoffroy à Bordeaux. Au Bousca. Mmh. Moi, je suis à Talence. Toi, t'es où, Mathis Moi, je suis à Talence aussi. La lance, ben voilà, ça se trouve on est à côté. Euh, et euh, il <laughs> y a eu un orage, voilà. Donc bon, bref, on ne va pas parler de la météo. Non, non <laughs> on va plutôt parler on sport. Pas là pour ça. D'ailleurs, ah, oula, incroyable. <laughs> D'ailleurs, euh, Geoffroy, c'est pas la première fois que que, que tu viens dans l'émission, je crois. Es un, tu es déjà passé une fois. Oui. Tu T'es content de, de revenir parmi nous Ah oui, très content. Et en espérant être régulier de Régulier. Il bah, n'y a, a pas de raison. Je crois que la dernière fois, c'était très, très bien passé. Et puis voilà, si, un petit message aux sociaux. Si jamais vous aussi, vous avez euh, euh, des questions à poser, des messages à faire passer, c'est possible euh, en live. Il suffit de nous contacter au préalable. Il ne faut pas hésiter. Bon, messieurs, je vous propose qu'on passe à, à la prochaine question, directement dans le vif du sujet. Une question de, de Fernie. Euh, donc, que pensez-vous du rapprochement Lopez-Rigo cette solution me plaît et je pense que c'est de loin la meilleure. La fougue et la prise de risque de Lopez pour le sportif et il manque la fin et l'art de la gestion euh, des finances pour Stéphane Martin. D'accord. Voilà, puisque Stéphane Martin, dans le cadre de ce rapprochement, euh, sera euh, certainement aura un poste, euh, peut-être de directeur général, je ne sais pas, euh, donc euh, dans le club. Donc et Concernant son bilan, on peut se rappeler, on en avait dit à l'émission qu'on avait fait sur le bilan de Stéphane Martin, il avait très bien vendu, c'était du, du plus 30, du plus 50 à chaque mercato, hein. donc un million d'euros. Hein. Donc il avait très très bien vendu, notamment Malcolm, il avait fait des grosses transactions. C'est vrai que, euh, du coup, j'enchaîne sur la réponse, je te donnerai la, la parole après Geoffroy, euh, c'est que du coup, euh, en termes de, de dossier, en termes de projet, pour être clair, je reprends. Lopez, s'il vient à Bordeaux, c'est pour jouer le haut de tableau. C'est clair. Il vient à Bordeaux, c'est pour jouer le haut de tableau. Pourquoi Parce que dans son modèle économique, c'est le trading. C'est un modèle économique qu'il assume complètement. Euh, c'est le même modèle. Euh, sur lequel euh, il avait euh, géré euh, le club du LOSC. Et donc, dans ce modèle de trading, qu'est-ce qu'il faut C'est acheter des joueurs et jouer le haut de tableau. Jouer la Coupe d'Europe pour. Alors, on parle un peu euh, finance, hein, je suis désolé. Jouer la Coupe d'Europe pour montrer tes joueurs, les exposer, Europa League, Champions League, pour pouvoir ensuite les revendre plus cher. Parce que qu'est-ce qui fonctionne dans la vente de joueurs Plus un, un joueur a un niveau élevé, plus il joue l'Europe, euh, la Champions League, plus il est performant. Donc, c'est là où il se montre, hein, le niveau le plus élevé, plus tu as des possibilités de le vendre cher et de, de, de te permettre d'avoir en le vendant cher des finances pour faire tourner ton club. Donc, euh, ce projet euh, de Gérard Lopez, c'est un projet sportif ambitieux. Si on compare par exemple avec le, le projet de, de Bruno Fievé, lorsqu'il était venu nous l'exposer, c'était un, un projet euh, sportif beaucoup plus sécure où tu construisais sur la formation, où tu construisais une première année sur la formation, euh, une deuxième année, et tu complétais avec des joueurs intéressants que tu faisais, euh, que tu améliorais, que tu faisais jouer, et au fil de deux, trois ans, bah, tu arrivais peut-être à jouer euh, le haut de tableau. Le haut de tableau, je dis, c'est top 8. Hein. Alors que là, euh, moi, de ce que j'ai compris, euh, pour Gérard Lopez, et je pense que je ne me trompe pas, c'est euh, directement jouer le plus rapidement possible le haut de tableau, pour les raisons que je viens de, de vous exposer. Donc ça, c'est son projet. Euh, c'est comme ça euh, qu'il va, euh, je pense, euh, le mener. Après, concernant cette fusion, je pense que c'est une très bonne chose, euh, parce que ça complète euh, des compétences, euh, on l'a vu dans la vision de Lopez et la vision ensuite de Rigaud, et j'avais beaucoup aimé dans la vision de Rigaud ce qu'il voulait faire sur le stade, notamment où ils avaient fait une étude, il l'avait exprimé dans Sud-Ouest et peut-être dans France Foot, où ils avaient fait une étude pour euh, un peu amener de la... comment dire, réduire la capacité du stade avec une, un système de de structures qui venaient euh, rabaisser le nombre de places mais qui permettaient de garder quand même une une comment on dit, une, une ambiance et euh, faire Avec un peu une meilleure répartition stade, et, meilleure répartition du stade une meilleure ambiance euh, pas qu'il n'y ait pas d'ambiance au stade mais euh, pas qu'il y ait des places vides voilà meilleure répartition je ne sais pas comment l'exprimer voilà et les passerelles, les passerelles aussi sur, euh, sur la MLS qu'il avait évoqué pourquoi pas on sait que euh, Lopez est un entrepreneur qui mène des affaires sur tous les continents. Donc euh, il a fait ses études à Miami, par exemple, donc le continent américain c'est connu pour lui. Donc peut-être que ces gens là peuvent euh, arriver, à, arriver à créer des synergies pour le bien du club. Mais c'est surtout financièrement que cette offre euh, est intéressante parce que peut être qu'elle répond aux attentes financières de King Street euh, pour éviter que le club euh, soit en, passe en redressement judiciaire et soit vendu de gré à gré euh, très rapidement. Voilà, j'ai terminé. <laughs> voilà. Geoffroy, euh, si tu as un, un avis sur la question. Je, je pense que c'est de loin la, la meilleure alliance qu'il puisse y avoir. Euh, Lopez, euh, sportivement, c'est quand même top. Il a montré avec Lille. C'était le débat un peu de la semaine dernière hein, déjà. Euh, par contre, c'est vrai qu'il prend beaucoup de risques au niveau financier. C'est ce qui est ressorti hein, de, des différents médias. Euh, il va avoir deux garde-fous dans ce contexte. Il va avoir Rigaud et Martin. S'ils s'associent, ça sera deux garde-fous. Deux garde-fous qui sont passionnés des journaux de Bordeaux, qui connaissent les journaux de Bordeaux, qui connaissent la ville, qui connaissent l'ambiance, qui connaissent les méthodes de travail, euh, les infrastructures. Ils connaissent tout. Donc en fait, oui, c'est une très belle association qui peut, qui peut fonctionner et surtout qui est ambitieuse. Donc ça, c'est excellent. Après... Euh... On verra ce que décidera le club et M. Longuepé notamment. Et il faut rajouter quand même dans la, le rapprochement, c'est que parler du club scapulaire. Exactement ce que j'allais dire Ce aussi. que tu allais dire, bon, pardon. Et euh, le club scapulaire, c'est ce regroupement d'une centaine, à 150 à 200 entrepreneurs qui ont levé entre 5 et 10 millions d'euros. Euh, J'ai vu que Clément Carpentier de 20 minutes disait plutôt 5 millions d'euros et qui devrait. <coughs> Je parle au conditionnel parce qu'ils doivent faire un communiqué là très rapidement qui devrait rentrer au conseil, au conseil d'administration du club. Donc, ça aussi, tu parlais de garde fous euh, c'en est entre guillemets parce que quand tu es au conseil d'administration, euh, tu as une vision qui est différente que celle euh, que lorsque tu es uniquement partenaire. Donc, voilà, et ça crée une synergie et une ambiance autour. Euh, autour du, du club et des forces vives, comme ils disent, des forces économiques et forces locales autour de ces Girondins, pour un peu redorer euh, le blason bordelais. Alors, si tu me permets, ce qui est un peu étonnant dans cette histoire, c'est que le club scapulaire a été... Un des instigateurs de ce club scapulaire, d'après ce qu'on a compris, c'est Bruno Fievé. Et il a dit qu'il voudrait toujours être impliqué au niveau de, de, ce, de ce club scapulaire. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que... Euh, Florian Brunet, dans, dans son interview d'hier, enfin euh, dans sa vidéo d'hier, il a déclaré que Bruno Févier, finalement, maintenant, faisait campagne un peu dans l'ombre de de Kyo, je crois. Oui, il a raison. Voilà. Et avec Trio. Bon. Alors ça, ne savais pas. Voilà. Bon, mais il nous l'a appris hier. J'ai trouvé ça très étonnant. Bon, euh, c'est ainsi. On n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants après de de cela, mais ça m'étonne vraiment parce que. Euh, Fieve, euh, c'est euh, Kyo est sont l'opposé euh, au niveau du, du projet. Donc je suis je suis très surpris de cette euh, de cet attelage. Bon, il, il n'a pas été lui n'a pas été. C'est euh, dans les informations un peu en coulisses, c'est euh, ce qui se dit, oui, mais il y a, y a rien d'officiel euh, sur ça. Oui, tout à fait, il n'y a rien d'officiel. Après, le Club Scapulaire, c'est un regroupement d'entrepreneurs. C'est vrai que ça avait été euh, à l'initiative de Bruno Fievé. Après, quand il est venu, il a dit, oui. le Club Scapulaire, il peut passer d'un projet à l'autre, l'intérêt, c'est le club. Euh, et, et le but, c'est de servir le club. Entre guillemets, c'est pour le bien du club. Et c'est ce que tout le monde souhaite. Donc, euh, donc là, Mais une on a. En en a... En a... Oui, c'est une super initiative. Tout à bien. fait. C'est très, très bien. Donc sur la fusion, euh, je ne sais pas s'il y a des réactions sur, euh, dans les messages. Sur le chat, euh, ouais. on okay. nous parle y de, y la, de la, de la formation. formation. Il y a pas mal de, de réactions, oui. Et aussi des, des messages qui nous parlent de, du communiqué du club, puisqu'on a eu une ah. journée euh, plutôt chargée en information côté girondin, avec beaucoup de rebondissements. Je vous propose qu'on qu l'affiche, ce communiqué. Vas-y. Hop. Alors. Là aussi, c'est l'actualité, la, ce qu'on vit, c'est assez incroyable. Donc c'est vrai qu'il faut avoir beaucoup de recul, essayer de comprendre, d'analyser. C'est pas simple parfois, et savoir ce qui se cache derrière. Donc euh, c'est là toute la difficulté. En gros, le communiqué, qu'est-ce qu'il dit Alors vous l'avez devant les yeux, vous pouvez le lire. Euh, en gros, déjà la première information qu'on a dans ce communiqué, donc, qui est datée d'aujourd'hui, euh, c'est qu'ils reviennent, euh, ils expliquent que les offres qu'ils ont reçues jusqu'à présent, elles ne répondent pas, elles ne donnent pas les garanties suffisantes pour assurer le fonctionnement du club hein, et satisfaire aux exigences de la DNCG. C'est ce qu'ils disent dans le deuxième paragraphe. Hein. On est d'accord hein. Et ils disent, c'est pour ça qu'on a accordé un nouveau délai au candidat pour présenter une offre améliorée. Ce délai, c'était aujourd'hui, 17 juin à 14h. Ça, c'est le troisième paragraphe. Et quatrième paragraphe, euh... alors, dans le troisième paragraphe, ils disent aussi qu'ils n'ont pas reçu de nouvelles offres. Donc, ce avant qui une... va au contraire délai. de, de l'information qu'on a eue et ouais. du communiqué ah. Lopez, Martin, Rigaud. Alors, ça va pas au contraire parce qu'ils ont pu faire un communiqué comme quoi ils s'accordaient et il leur faut que faire une offre quand même. C'est juridiquement, il y a des choses à mettre en place, surtout s'il y a des accords entre les parties. Il faut faire bosser des avocats, ça se fait pas comme ça en une heure. Quoi. Je pense que c'est, il faut que toutes les parties le lisent, les rédigent. Donc ça va arriver. Mais ce qu'on apprend surtout, c'est qu'ils n'ont pas reçu d'offre et en plus ils mettent la pression. Le club espère bien entendu que la situation va évoluer favorablement dans les heures qui viennent et qu'un projet permettant d'assurer la pérennité du club sera rapidement présenté. Et la peur. Et c'est ce qui, pour ça, qu'on comprend l'interview de Florian Brunet euh, dans Sud Ouest et l'intervention des États la Marine. La peur, c'est que Kick Street euh, balance tout en, en redressement judiciaire avant qu'il y, qu y ait des offres qui soient faites. Et là, ça serait une catastrophe pour le club. C'est pour ça qu'il est important qu'il y ait un accord entre euh, deux potentiels candidats pour faire une offre commune qui réponde aux exigences financières pour calmer tout ça. Voilà, euh, pour calmer un club qui semble s'impatienter. Euh, voilà l'explication que je peux en donner aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est clair, Geoffroy. Voilà. Oui, euh, Salé, moi j'ai eu peur quand j'ai vu sur ton site, euh, quand euh, j'ai vu communiquer, quand j'ai lu les premières phrases, je me suis dit, "Masse, on va voir tribunal ou euh, redressement judiciaire à la fin. Heureusement, ça n'a pas eu lieu. Bon, il reste quelques jours parce que je crois qu'ils se rendent compte qu'il y a quand même une proposition qui se détache. Euh, la nouvelle association Lopez rigo est toute récente, mm. même si elle était dans les tuyaux, elle n'a été officialisée qu'aujourd'hui. Peut être qu'elle a été officialisée juste après le communiqué d'ailleurs. On ne connaît pas trop le timing, mais sans doute qu'ils étaient au courant de ce, de ce communiqué déjà il s'associe, il va y avoir une proposition demain ou peut-être début de semaine prochaine. Alors moi j'ai une question aussi et qui revient dans le chat, puisque au final tu nous disais qu'il y a une peur qui existe aujourd'hui chez les supporters, c'est que King Street attend le redressement judiciaire ou en tout cas fasse fi des, des offres qui, qui, qui sont là. Mais quel est l'intérêt pour King Street en fait, aujourd'hui de dire non je ne prends pas telle offre ou telle offre, puisque en cas de redressement judiciaire... Sauf frère, de ma part, il ne, ne gagnent pas d'argent. Écoute, euh, c'est de mettre la pression. Euh, c'est plus de la communication, que... finalement. Je euh... sais pas. Euh, Est-ce qu'ils en ont marre Ils disent perdu pour perdure euh, On a assez de temps. La... Est-ce le redressement en... judiciaire Est-ce que est le redressement pas. judiciaire Parce que je ne connais pas du tout hein, ces, ces textes de loi. N'annule pas la dette. Si. Eh oui. Alors, peut-être qu'ils peut qu euh, vont s'asseoir sur les 40 millions qui doivent à Fortress et puis c'est réglé l'histoire. Ils ne parlent plus du journal de Bordeaux. Plus de tractations, c'est terminé. Poche tournée. Donc voilà, c'est donc, euh, bah, euh, un communiqué. Mais je pense que et en fait, ça plus de 40 millions déjà qu'ils vont proposer. Donc, euh... On n'a pas, pas de montant. On n'a pas de montant ah. aujourd'hui. Ah. Aujourd S'ils veulent ouais. être devant la DNCG, je crois que déjà c'est au moins 40 millions sur une année. Donc ils doivent oui. présenter 40 millions déjà devant la DNCG, plus recouvrir la dette. Donc bon, la DNCG, c'est nouveau. Cette saison, ils demandent au club de provisionner sur un compte le montant des frais ouais, de fonctionnement plus. du club pour toute la saison. Donc euh, on l'estime entre, euh, entre 40 et 50 millions. On ne sait pas, hein, tout dépend euh, quel sera euh, l'effectif du club. Mais ils doivent provisionner une somme comme ça, plus s'engager à couvrir Fortress, à moins ce qui, que Fortress... Euh, souhaite renoncer à une partie de sa dette, mais a priori c'est pas le cas, plus assurer euh, le paiement du club à King Street, puisque King Street ils vont certainement demander euh, un montant, je sais pas, euh, plus euh, faire du recrutement. Et Gérard Lopez a promis, a, a promis, a, a indiqué que c'était 50, 50 millions d'euros de recrutement et ça s'explique parce que je vous ai dit avant en la politique en, en, du en, ouver, en ouverture d'émission, voilà. Voilà, voilà. Donc c'est une politique qui est assumée. Voilà, c'est Et qui serait suivi par Rigaud et Martin, du coup, puisqu'ils s'associent. Donc ils sont d'accord avec ce projet. Je pense que oui. Après, je sais pas, il faut attendre. Là, on est dans les suppositions, mais je pense que oui. Alors que je Rigaud, que quand oui, on a quand on avait entendu son interview sur Podcasting notamment, c'était quasiment le même que Fievé, c'est-à-dire dans un premier temps reprendre le club, essayer de le stabiliser en Ligue 1 et puis peut-être un jour voir mieux. Donc c'est vrai que ça change d'optique tout ça quand même. C'est pour ça que ça peut être intéressant d'avoir des personnalités… Pas opposés, mais euh, peut-être avec une vision différente, mais pour le bien du club qui s'associe et, et pourquoi pas euh, unir euh, leurs compétences et leurs envies. Mais après, il faudra voir comment va se passer la gouvernance, mais ça, c'est après. Ça. Donc, Alors, pour l'instant, vais... euh, l'urgence, elle est ailleurs. Je mets juste un petit bémol. Je me souviens de l'époque où Lange et Trio se sont associés. Oui. Pour les Journals de Bordeaux, à la reprise des Journals de Bordeaux, avant que M6 ne vienne, hein, si, si mes souvenirs sont bons. Euh, au départ, tout avait l'air super. Et puis au bout de six mois, lors de, du premier mercato, déjà, c'est parti un peu en vrille. Et je crois qu'un an et demi après, euh, Jean-Didier Lange n'y était plus hein, dans l'organigramme dans du club. Enfin, si, il était toujours au conseil d'administration, je crois. Mais il n'était plus, plus président euh, à moitié avec Trio. C'est Trio qui a repris les rênes tout, tout court. Hein. Donc c'est vrai que Lopez, Rigaud et Martin, ce sont trois personnalités différentes. Bon, Rigaud Martin ont l'air de bien s'entendre. Hein. On dit bien, ils ont l'air de bien s'entendre, hein. mmh. mais avec Lopez, c'est le petit nouveau qui arrive un peu dans la bande. Ménage à trois. Mmh. Bon, bravo. on va voir. L'essentiel aujourd'hui est de sauver le club. On c est, est... De... l'essentiel, il est là. Voilà. On, sait que, on sait que la vie d'un club euh, n'est pas euh, de tout repos. Hein. Un club, non. ça bouge dans six mois, un an, on ne sait pas. Aujourd'hui, la priorité, je pense, c'est sauver le club financièrement et se communiquer. Euh, des Girondins de Bordeaux. Waouh Mais c'est vrai que tu te dis, moi je m'y attendais pas à avoir un communiqué comme ça. C'est vrai que c'est, ça fait peur. Ça fait peur. Donc. Euh, en même temps, ils respectent un peu ce qu'ils avaient dit. Ils ont, ils ont donné des deadlines. Ils ont donné des deadlines. Et finalement, mais... ben, rien n'arrive, donc ils, ils communiquent. Donc, oui, mais ils mettent si vous, la pression. Se... Comme tu dis. Ils mettent la pression. Voilà. C'est dépêchez-vous mmh. de faire une, une offre maintenant. Voilà, mais quelles sont les exigences de King Street Elles doivent être assez importantes, leurs exigences. On ne les connaît pas par rapport aux offres qui sont faites. Et voilà, on retombe toujours sur, sur l'argent, l'argent qui est le, le nœud du problème. Ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'il y ait un projet et euh, pourquoi pas celui Lopez-Rigaud euh, qui aboutisse, puisque a priori, c'est celui-ci, peut-être avec la réunion de leurs forces économiques qui pourrait répondre aux besoins de King Street pour sauver le club et lui permettre de repartir en Ligue 1. Voilà. Ou le milliardaire militaire. Alors, cette information, on peut l'aborder, chef Matisse. On peut l'aborder, N'hésite euh, oui, 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 je... pas à afficher, si tu veux, des, des messages. Des commentaires, en de plus, ah, sur, et... sur le chat, on, depuis qu'on a commencé ce live, il y a quelques allusions, quelques commentaires, justement, à ce, à ce mystérieux personnage. Alors, c'est le journal 20 minutes, dans un article qui a écrit ça tout à l'heure. Euh, alors, j'ai l'article qui est là, euh, qui est écrit, je cite, c'est un article qui a été paru tout à l'heure. Au-delà des deux offres, plus, alors je cite, deux points, les guillemets, au-delà de ces deux offres plus sérieuses, un investisseur garde un oeil de très près sur la situation des marines blancs, selon les informations de 20 minutes. Cet homme, à la tête d'une grosse fortune personnelle, n'a pour le moment pas fait de... De pas significatif vers Rothschild car il considère que les fuites sont bien trop nombreuses dans la presse et il ne veut pas se retrouver sur la place publique. Mais en cas de refus ou d'échec des négociations avec les deux candidats actuels, il se dit prêt à se lancer et à faire une offre. Il tente en ce moment d'avoir accès à la Data Room. <laughs> Est-ce qu'il pirate, Est qu pirate les serveurs C'est. Euh... <laughs> oh là là c'est un petit peu particulier comme information. Après, on, 20 minutes, ils ne sont pas non plus connus pour. pour Tiens, salut William. Des, il y a des William. fraises, euh, forcément. Sauf enfin, si je me trompe, 20 minutes, quand même. Non, ils ont, ils ont toujours de très bonnes informations. Ils ont souvent des bonnes informations. Donc, ah, c'est oui. vrai qu'on on entend parler depuis euh, un moment, quand même. Est-ce que c'est le même investisseur que depuis le début Est-ce que c'est est autre chose un nouvel, un nouvel homme On ne sait pas. Bon, c'est vrai que c'est étonnant, vous en pensez quoi, vous, de cette décision de, de rester dans l'ombre, s'il a un réel intérêt, alors qu'il voit autour de lui euh, que les choses avancent assez rapidement Vas-y, Geoffroy. Moi, il y a juste une question que je me pose, ça fait maintenant deux mois à peu près qu'on sait que King Street se désengage. Euh, pourquoi attendre si longtemps euh, ouais. ben, le fait de se manifester euh, Moi, Si, si, si c'est un homme avec une puissance euh, financière euh, telle... Et qu'il a envie de. qui s'intéresse au journal Bordeaux, pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu direct Eh bien oui, parce qu'il eh ben, ne veut pas de fuite, euh, que son nom soit dans la presse, il veut rester discret. Oui, oui mais, mais il alors... sera bien obligé à un moment euh, si, si de s'engager. De... Enfin, moi, je vois pas. Je ne comprends pas. Moi, entre ma... Le dire dans une semaine ou le dire maintenant, euh, je sais pas. Moi, ma réflexion, elle est autre. S'il est vraiment intéressé. Ben, pourquoi il ne s'est pas manifesté tout simplement en disant « bon, mais voilà, moi j'ai tant et je reprends les Girondins ». Quand on est ouais. intéressé, on n'attend pas l'échec de deux personnes ouais. ou de deux projets pour se manifester. Quand on est vraiment intéressé par un projet, on se, on se positionne. Enfin, moi, il il attend le redressement judiciaire, mais dans ce cas-là, s'il ne veut pas que ça parte en redressement, faut il faut qu'il se manifeste tout de suite. Ouais. Donc c'est incroyable. Et puis c'est très imagé en termes d'écriture. Donc euh, il essaye d'accéder à la Data Room. Donc tu t'imagines ce milliardaire qui essaye de forcer les, les trucs de la Data Room. C'est très. Euh, c'est romancé, quoi. C'est euh, incroyable. Alors, il vaut mieux en, en sourire, hein, mais c'est vrai que c'est, moi je trouve ça incroyable. C'est comme ouais. le milliardaire qu'on annonçait qu euh, ce dossier mystère. Est-ce que ce est pas monter de toutes pièces, de faire passer des fuites un peu dans la presse pour faire monter la pression aux autres Et ça ramène encore un peu plus de, de pression Donc, euh, voilà. Il me semble étonnant. Avoir vu, un petit message comme ça, alors, vrai ou pas vrai, hein, mais il me semble que King Street avait proposé à des Saoudiens de reprendre le club, directement déjà. C'était vers le mois de février ou mars, je crois. Hein, et que ce Saoudien serait toujours en réflexion. Il ouais, ne faut pas qu'il attende trop longtemps parce que sinon, <laughs> il va retrouver un club dans la Alors, je ne sais pas si tu es sur ton info, mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que sur Web Girondin, on avait reçu Romain Molina, vous y étiez, et il nous a dit oui, euh, il y avait euh, en Arabie Saoudite euh, le dossier de rachat des Girondins de Bordeaux qui se, qui, qui, était, qui se passait, il nous l'a dit en direct, euh, qui était proposé à, à des investisseurs. Et Turquie Al-Cher, le président, le, ce, ce très riche. Euh, Saoudien qui possède le pyramide FC où joue Diego Roland d'ailleurs et qui possède Almeria euh, en Ligue, ligue 2. Le dossier lui a été proposé et il a dit c'est trop compliqué. Voilà, et c'est vrai que voilà. c'est un dossier qui est hyper compliqué. Donc oui. euh, voilà pour répondre à ta question sur, voilà. euh, sur les Saoudiens. Bon, on remonte loin, mais oui, on ouais, on euh, moi j'ai une autre information de, de Flo qui nous dit qu'apparemment ce, ce mystérieux milliardaire serait Johan du Château enclos Mazer. <laughs> Donc, euh... <laughs> Qu'on salue, qu salue, voilà C'est l'occasion de lui faire un, un petit coucou. Oh, <laughs> bon, le salut, Johan. Non, c'est pas lui, hein, c'est une blague. Hein, ah, je le dis ouais. pour les gens qui regardent parce que Johan. Oui, c'est oui, vrai. Est Il partenaire. va prendre potes, sinon. Il, parten... <laughs> Il a été partenaire de Web Girondin et euh, je le salue. C'est un grand supporter du club. Tout à fait. Bon, messieurs, je... sauf si vous avez d'autres choses à dire sur le rachat euh, qui vous viennent là, je... sinon je vous propose qu'on passe à la prochaine question. Moi, j'ai un mot à dire. J'espère que tout le monde va faire le nécessaire pour le bien du club et pour le sauver, et va se mettre euh, au diapason, soit des repreneurs, soit euh, là, les dossiers, ça semble fixé. Ça devrait être, euh, je pense, euh, Martin Rigaud-Lopez. Euh, voilà. Donc, pourvu que ça se fasse, faites tout pour sauver le club. Voilà. Donc, euh, s'il y a un message à passer, c'est de faire le nécessaire pour sauver ce club. Et remercier et remercier et remercier les entrepreneurs qui sont sur ce dossier. Parce que il faut s'accrocher quand tu es sur un dossier comme ça, en termes de pression, euh, en termes de complications, de procédure, c'est très compliqué. Bon, ouais. ben bah, je propose qu'on passe à, à la prochaine question. Une question, je crois, que, que, que tu connais, Geoffroy Oui. On je va te lui laisser laisse nous poser. poser. sa question. Euh, c'est Julien B qui a fait cette déclaration qu'on retrouve chez l'un de vos confrères euh, sur Tom Lacou, qui le trouvait donc trop rugueux et avec trop de fougue. Alors, moi, la question que je voulais, que je voulais vous poser, hein, et c'est vous qui allez débattre, c'est est-ce que c'est pas <laughs> ce qui nous a manqué toute cette année Moi, je n'ai pas compris, en fait, hein, sa, sa déclaration. Alors... Il était trop rugueux et trop fougueux. Je me souviens juste de Alors, des éléments je de match. Pas non plus. Euh... Oui, vas-y. Vas-y, Mathis. Ah oui. Ah mais Mathis, il a un décalage, je crois. Il nous entend pas Alors moi, ce que. C que... Euh... Ah oui, j'ai un petit problème de connexion. Ah oui. As... Je crois. Ouais, je pense. Vas-y, déconnecte-toi et reviens. Je pense que tu as un décalage. Euh... Pour oui, donc... ce qui est de, de Tom oui. Lacou Alors. Je comprends pourquoi il a voulu dire ça. Parce qu'il a pris des cartons jaunes un peu, un peu, alors un peu bêtes. Mais c'est pas ça. Parce qu'il est jeune, il a de la fougue. Souviens-toi, Medizercane, premier match du championnat, il met un temps rouge en boum, exclusion, il prend un rouge contre Nantes. Et on fait quand même match nul 0-0. Mais c'est ça, en fait, euh, je pense qu'il veut exprimer le fait qu'il euh, y a de l'engagement, il y va, et quelquefois, euh, il maîtrise pas complètement son geste. Et euh, du coup, bah, comme il maîtrise pas son geste. Euh, ça fait des cartons jaunes, ça peut être dangereux pour l'équipe, donc il doit progresser là-dessus. Mais moi, je trouve qu'il a mis de la détermination, de l'engagement, et je trouve que ça fait du bien à l'équipe quand il a été là, euh, de par euh, cette activité-là sur le terrain. Pour moi, c'est euh, un vrai oui, milieu défensif. Mais pour moi aussi, je, je pense que oui, il y a de la fougue, oui, il y a de l'engagement. Après, c'est son poste aussi qui. Qui, qui, qui le force un peu à se mettre dans une situation comme ça, enfin pas qu'il le force mais qui c'est son job quoi. Et puis euh, il a aussi cette volonté, comme tu disais, qui nous a manqué un peu, cette fougue, cette envie d'aller de ne pas perdre ses ballons, de récupérer, d'avancer, de, de de jamais baisser la tête. Peut-être du coup de parfois s'engager un peu trop fortement ou d'aller chercher des ballons qui, qui sont inatteignables. Mais dans l'idée, moi je trouve que c'est un garçon qui, qui nous a beaucoup montré. Et, et totalement ce message de là avec lequel je suis totalement d'accord, vivement le duo Lacou-Otavio, puisque je pense que Lacou a beaucoup à apprendre euh, d'Otavio, Otavio qui avant sa blessure euh, nous sortait quand même, euh, sortait de plusieurs matchs, je trouve, euh, plutôt très qualitatifs. Et euh, c'est vrai qu'on a eu un grand moment au milieu de terrain cette saison euh, avec un vide, euh, il faut le dire. Euh, L'arrivée de Lacou dans l'effectif euh, a permis un petit peu de, de, de rééquilibrer certaines choses, même si ce n'était pas parfait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut s'attendre à la saison prochaine à essayer de voir ces deux joueurs euh, travailler ensemble et jouer ensemble sur le terrain parce qu'ils ont tous les deux des qualités, je trouve, de récupération, d'envie, de fougue, de hargne même. Et je trouve, moi, que c'est plutôt positif, même si c'est vrai que j'entends Junico parler de, de l'excès des cartons, tout ça, ça peut être préjudiciable sur, sur une saison complète et même mettre l'équipe en péril quand c'est des, des fautes un peu, trop, un peu trop prononcées, un peu trop graves. Mais dans l'idée, c'est vrai que ça fait plaisir de voir des joueurs euh, mouiller le maillot comme ça, comme il le fait, et se donner, se dépenser. Euh, moi, en tout cas, je ne lui reprocherai pas ça. Après, s'il si si continue encore à longtemps au club et qu'à à 26, 27, 28 ans, il continue à prendre un carton jaune tous les matchs ou à faire des choses qui ne sont plus des erreurs de jeunesse qu'on ne pourra plus qualifier comme ça, ça sera un autre sujet, une autre question. Mais pour le moment, il a une certaine fougue que, que, que j'aime voir et, et sur laquelle je ne. Je ne, je ne critiquerai pas. Geoffroy, t'en penses quoi, toi, du coup? Je vais vous citer quelques noms. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Girard, Pavon, Diara, Eduardo Costa, Pardo. Pas le Pardo qu'on connaissait, le Pardo sous Courbis. Hein. Voilà. Je pense que c'était des gens qui étaient rugueux, qui étaient mmh. pleins de fougue hein, et qui ont fait un bien fou au Girondin de Bordeaux. Un bien fou. Et on a toujours eu des belles équipes quand on avait de, des très bons. Milieu récupérateur, mais au minimum agressif. Et moi, ce que j'ai apprécié dans, dans Tom lacou, un match contre Lance, on s'en souvient tous, hein, Fofana, euh, il tourne un peu en ridicule tout le milieu bordelais en début de match. Et il y a Tom Lacou qui se fait prendre une ou deux fois. Et la troisième fois, ben, il ne passe pas, Fofana. Il lui met une petite pancarte. Mmh. Et après, on voit que Fofana, on voit que Fofana, alors, il mmh. y a avertissement de l'arbitre. Pas carton jaune, hein, mais avertissement de l'arbitre. Et après, on voit que Fofana... Mais, il hésite beaucoup à aller dans le domaine <laughs> de la il se dit, aïe, 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 Non, non, je vais pas y aller. <laughs> et souvenez-vous du match contre Reims quand il sort à la 56e minute, si je me souviens bien. Bah, c'était plus du tout le même milieu de terrain après. Hein. Ouais, c'est très juste. Le même milieu de terrain. Ouais, ouais. Comme quoi. Et alors, ce que j'ai apprécié aussi, et je finirai avec ça sur Tom Lacou, c'est qu'à 19 ans, repositionner la défense et le milieu de terrain comme il a fait. Mais pour moi, c'est un futur Michel Pavallon. Je peux me tromper, hein. mais je vois en lui toutes les qualités qu'avait Michel Pavon, et on sait quel jour ça a été pour les Géantins de Bordeaux. Michel Pavon, qui était très bon techniquement parce qu'il jouait devant au départ avant d'être replacé. Je me demande si ce n'est pas Courbis qui avait replacé Pavon oui, euh, derrière et son abnégation avait bien sûr euh, servi le club, plus toutes les qualités qu'on connaît de Pavon. Tom Lacou, lui, c'est vrai que c'est un vrai 6, moi j'aime beaucoup aussi. Et j'espère que ce sera des joueurs sur lesquels on va s'appuyer. Mais bon, comme on part sur un autre projet, est-ce que, est -ce que ces joueurs-là vont être intégrés Je pense que oui. De toute façon, tu ne pourras pas renouveler l'ensemble de l'effectif, même si tu as 50 millions dès cet été. Donc euh, bon, je ne sais pas, je suis curieux de voir euh, ce qui va se passer. Et puis oui, surtout je trouve que. Oui, pardon, je... Jeu, pas, non, non. Oh, voilà. je dis une chose, ne demandons pas à nos joueurs de ne pas être agressif, c'est ce qui nous a manqué toute cette année. Et quand il y a des sorties de personnes populaires comme Julien Bélé hein, avec tout l'excellent travail qu'il fait pour les Girondins, hein, mais quand je me mets à la place de Tom Lacou et ça que finalement il est trop rugueux ou il est trop fougueux, euh, il faut pas les, il faut pas lui il faut pas les couper les ailes hein, il faut le laisser sur ses têtes à l'esprit. il progressera, il aura la maturité avec les joueurs et les coachs qu'il aura, mais il faut surtout qu'il garde cette fugue, cette fougue et surtout des fois aussi hein, le fait d'être rugueux parce que ça calme tout le monde hein, dans le cas adverse. Mmh, D'accord. Ouais, ah, et puis tu disais, euh, c'est sûr qu'on ne connaît pas encore le, le projet sportif de pour la saison prochaine, hein, parce qu'il y a beaucoup de flou. Et du coup, sur la possible intégration de Tom Lacou dans cette équipe-là, en fonction de, du repreneur, c'est vrai que, euh, par contre, euh, on sait quand même que Tom Lacou c'est un des joueurs parmi les, tous les jeunes qui ont été signés et qui ont joué, qui a eu le plus de temps de jouer, qui a le plus prouvé entre guillemets. Donc, on peut s'attendre à ce que, euh, à ce que tout de même, peu, peu importe le projet, il est encore. Euh, des, des, des minutes à jouer euh, euh, la saison prochaine. Ok. Bon, je propose qu'on passe à la prochaine question. <laughs> Hop. Question de, de Ferny, Que penses-tu du retour programmé de Ruben Pardo Et parmi ces jeunes, lequel a le plus de potentiel Lacou, Adli, Zerkan, Sissoko, Mara et Bessile. C'est la dernière question. Allez, on va la compu... dernière. Ah, je... Tu veux commencer, Geoffroy Allez, je te laisse commencer. Parce que tu es avec euh, nous. Sociaux de Web Girondin, Geoffroy. Et d'ailleurs, envoyez du like. Là. Je vois qu'il n'y a même pas 100 likes. Alors, vous êtes plus de 200 sur YouTube. On est presque 300, euh, tous réseaux confondus. Voilà. <laughs> S'il vous plaît. Si vous aimez, hein. vous n'êtes pas obligé de liker hein, si vous n'aimez pas. Je te laisse parler, Geoffroy. Pardo, euh, très bon techniquement. Très beau milieu de terrain. Euh... On en a un peu des comme ça hein, quand même. On a Adli, on a Basic. Bon, on en a. Euh, Basic va sans doute partir. Adli, pour moi, c'est un vrai 10. Et un beau 10 euh, qu faut, euh, qui va beaucoup progresser, à mon avis. Parce que c'est le seul qui, cette année, euh, arrive à attraper des ballons et à jouer vers l'avant, à casser des lignes. C'est le seul hein, qui arrive à faire ça. Alors, c'est sûr, il a beaucoup de déchets dans son jeu, mais euh, c'est sa volonté aussi hein, d'avoir du déchet de par les risques qu'il prend. Moi, je trouve ça bien. Donc euh, pardon, oui, c'est un bon joueur. Est-ce qu'il va avoir envie de revenir au Girondins Ça s'est pas très bien passé quand il est venu. Ça s'est pas très bien passé quand il est parti. Est-ce qu'il sera dans le projet des repreneurs On ne sait pas. Euh, Lacou, on en vient d'en parler. Moi, je suis. Euh, je pense qu'il a un énorme potentiel. Adli aussi, Zerkan, point d'interrogation. Euh, Sissoko, du peu que j'ai vu, il me plaît, il me plaît beaucoup. Du peu que j'ai vu, hein, il me plaît beaucoup. Euh, aussi un peu agressif comme ça, euh, il court partout, euh, il met une énorme pression sur le joueur adverse, j'aime bien. Bon, après, on l'a pas vu beaucoup, hein, donc c'est à, à confirmer. Mara, point d'interrogation, Bessilé, point d'interrogation. Me concernant sur Pardo, euh, c'est bien qu'il revienne. Moi, je trouve que c'était un joueur qui avait du ballon, de la vision du jeu, euh, qui était bon dans ses déplacements. Après, est-ce qu'il va jouer Je ne sais pas. Il faudra savoir qui va être le coach, parce que là, on va en avoir des débats. Qui sera le coach Directeur sportif Comment on va jouer euh... Après, ce qu'il faut savoir, c'est que Gérard Lopez, le... est-ce que ça sera le cas à Bordeaux Je pense que oui. Mais euh, il a aimé à Lille que Galtier joue dans le même système de jeu tout le temps, euh, même le fasse évoluer, et on venait lui chercher des joueurs qui allaient s'intégrer dans son système de jeu. Donc, il faudra voir avec quel coach on va pouvoir reproduire ce modèle-là à Bordeaux et voir si ces joueurs seront compatibles avec ce modèle de jeu que le nouveau coach mettra en place. Pardo, moi j'aime bien. Après, c'est très très dur comme question. Moi, je ne suis pas recruteur, je ne suis qu'observateur. On regarde les matchs, au potentiel, on a parlé de la coupe. Adli, bon, il est au-dessus. Zerkan, on a eu un petit débat dans le talk lundi sur Zerkan, où je crois qu'il y en a qui pensaient qu'il. C'était Samuel il disait que mais finalement Zerkan il, il pouvait partir parce qu'il sentait qu'il n'y avait pas de potentiel. Moi, je ne sais pas. Hein. Sissoko, on vient de le signer. Il a montré de belles choses lorsqu'il est rentré. Marat, c'était pas mal. Bessilé, c'était pas mal. Je serais, moi, je ne je saurais pas répondre à cette question. Donc euh, après, il faudrait voir poste par poste la concurrence. Euh, en tout cas, ces jeunes, ils ont permis à l'équipe sur la fin de saison. Avec le travail qu'ont fait les ultramarines en termes de, de motivation avant ces matchs, c'était formidable ce qu'ils ont fait et grâce à l'apport des jeunes, ça crée une dynamique qui a permis donc euh, d'aller chercher ces, cette victoire face à Lens et face à, à Rennes. Euh, en plus ce sont des jeunes qui étaient peut-être plus identifiés club que certains anciens qui étaient arrivés là et qui étaient complètement cramés donc euh, j'espère qu'on comptera sur eux Voilà pour, pour raccourcir ma réponse j'espère qu'on comptera sur eux et en potentiel euh, c'est trop compliqué mais Adli il est au-dessus Mara, je sais pas Lacou je pense qu'il a démontré qu'il pouvait jouer euh, au moins une quinzaine de matchs par saison euh, et puis après ça dépendra de tout ce vrai, que ouais. dit. ça dépendra de tout ce que j'ai dit avant tout à fait, messieurs. Moi, je suis d'accord avec vous. Pardo, c'est vrai que moi, j'ai quand même souvenir de, de, de Pardo, très joueur, euh, pour casser les lignes aussi. On en parlait avec Adli, qui l'a fait cette saison. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, notamment euh, euh, de son but magnifique contre le PSG, je crois, euh, au parc. Euh, enfin, dans l'idée de d'oser de, de, euh, aller vers l'avant et de tenter. Moi, je trouvais que c'était un, un joueur qui était intéressant pour ça, qui avait des qualités euh, euh, et des, des choses à faire parler, à faire, à faire parler, pardon, de, dans ce milieu de terrain quand on sait qu'Otavio, par exemple, va un peu trop souvent vers l'arrière. Moi, je trouvais que Pardo, quand ils étaient tous les deux ensemble, ils arrivaient un petit peu à, à être complémentaires sur ça. Après les jeunes, je suis d'accord avec toi, Nico, euh, peut-être Lacou, Adli et Zerkan, sur lesquels on commence, enfin, Adli et Zerkan, un peu plus encore, on commence à avoir des vraies idées sur leur niveau. C'est vrai que sur les autres, c'est encore un peu tôt pour pour, 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 pour pouvoir les imaginer jouer toute une saison, ou même ne serait-ce qu'un quart de saison. Mais il y a du potentiel, en tout cas, c'est ce qu'on a pu voir cette fin de saison, et, et j'espère, j'espère que c'est que c'est de bonnes auspices pour la suite. De bon auspices, je connaissais pas cette, cette expression. Oh, c'est une, petite, une petite... de bon augure C'est comme de, de bon, bon augure. augure en fait. Oui, de voilà. bonnes auspices. D'accord, bon auspice. oh, très bien. appris. C'est landé, ce je crois. Ouais. Je crois que c'est landé comme expression. C'est landé, d'accord. Ah, oui, Est-ce qu'il y a du monde des landes là <laughs> Est-ce qu'il y a des landés sur le chat ou dans les je, juste pour ouais. revenir sur Pardo, je pense que toute cette euh, toute cette année qu'il a fait, il a fait euh, les ganès hein, je crois, c'est ça, si je me souviens. Oui. Les oui. Je Légado. crois que à chaque fois qu'il a été interviewé, il a dit qu'il voulait rester en Espagne. Mm -hmm. <laughs> Donc, moi, moi, je, je doute juste d'une chose, c'est de sa motivation. Voilà. Il est revenu à Bordeaux, il était hors forme, euh, et il est re, il est bien revenu hein, jusqu'à la fin de la saison. Après, gassé, d'après ce qu'on a compris, n'a pas compté sur lui. On ne sait pas trop pourquoi, parce que quand on voit le, le peu de milieu qu'on avait, bon donc euh, il n'a pas compté sur lui euh, voilà, moi euh, j'ai des doutes, sur... alors pas des doutes au niveau technique, euh, tactique euh, même physique, hein, puisqu'il a fait toute la saison, euh, pardon, euh, mais sur ses motivations pour revenir à Bordeaux euh, je mets des gros doutes dessus Tout à fait, bon, pour en avoir discuté avec, avec d'autres spécialistes de la Liga, comme Philippe Etchemendi que je salue euh, et il ne le voit pas revenir, hein. il fera tout pour rester en Espagne je pense qu'on va partir sur un nouveau cycle avec un gros renouvellement de joueurs. Oui, oui. En croisant les doigts pour que le club soit sauvé et reste en ligue. Et ça, ça va se faire ça va ça le plus important. C'est ça le plus important. Bordeaux. Va ah, rester. Regardez William, il est là William. Un <laughs> Landais qui habite à Montpellier. Mais super William, je ne me rappelais plus tu était Landais. Voilà, super. <laughs> et puis, euh, vive les Landais, comme nous dit voilà. euh, Denis. On est d'accord. Là, au moins, il n'y a, a pas de débat sur ça. Voilà. Si bon, messieurs, c'est ça. Messieurs, euh, sauf si vous avez d'autres points à, à remettre en avant, je crois que nous, on a fait le tour de, des questions qui nous ont été posées. Euh, mm. Donc, euh, je propose qu'on qu 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 conclue. Merci à, à vous, déjà à vous deux, d'avoir été là pour, pour cette émission, Nico et je Merci. crois. Merci. Avec Merci plaisir, je, je crois. Vous. Voilà, Merci si tu veux vous revenir, il n'y a pas de souci. C'était un plaisir pour nous. Je crois qu'en plus, euh, tu, tu as bien marqué euh, euh, les fans, puisqu'on a, on a William quand même qui nous a dit euh, Il est pas l'analyste, le petit barbu dont je n'ai pas le prénom. et Il connaît bien l'histoire de nos Gigi. Prenez-le dans votre team. Voilà, donc euh, en tout cas, euh, la communauté t'adore, je crois. Merci. C'est l'essentiel. <laughs> voilà, bon, en tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi euh, ce live. Euh, là, on, on était plus de près de 300 sur tout, tout le live, donc euh, ça nous fait euh, très plaisir. Si vous appréciez ce qu'on fait, n'hésitez pas à devenir sociaux. On a déjà envoyé le lien durant le live. On va le renvoyer un petit peu à la fin. Et puis, on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission lundi, normalement. Tout à fait. Et puis, sur Web Girondin pour suivre la fin, l'épilogue, on l'espère. De, de ce rachat même si euh, on a l'impression que dès que ça se rapproche de la fin il y a un nouveau euh, rebondissement qui arrive en tout cas voilà merci à vous d'avoir été là et puis euh, n'hésitez pas à liker à partager et puis une très très bonne soirée à tout le monde bonne allez, soirée. salut à bientôt ciao merci ouais. j'envoie le générique ou tu l'envoies oh, vas-y Je... fais le allez c'est parti au revoir